Nous sommes de retour pour parler retranscription de voix, machine learning, en compagnie de Lucas Gérardin. Bonjour Lucas, je suis content de t'avoir. Donc Lucas, toi tu es SRE sur, je vais pas me tromper parce qu'on n'est pas les plus tech de toute la conférence, donc Azure DB PostgreSQL chez Microsoft. Absolument. Et tu es basé en Roumanie. Absolument aussi. J'ai fait le déplacement principalement d'abord pour des vacances et au passage participer aux conférences françaises, conférences et meet-up françaises. Et merci beaucoup d'être là. Donc en fait, tu es pas là. Tu es là notamment pour nous parler d'un projet personnel que tu as mené autour du machine learning. Et donc je te propose, avant de commencer, d'expliquer un peu c'est quoi le machine learning, pour essayer de démarrer par le démarrage. Ok, alors, donc en effet, je suis SRE, donc je ne suis pas expert non plus en machine learning et en intelligence artificielle, donc je vais essayer de définir un peu comme moi j'ai réussi à le comprendre au fil des années. C'est une technique de programmation pour introduire un peu d'intelligence dans nos programmes, c'est-à-dire que plutôt que donc d'anticiper tous les comportements que notre programme va avoir avec notamment des conditions et ce genre de choses, on va entraîner ce qu'on appelle des modèles qui vont réussir en fait à faire des tâches qu'on peut considérer comme intelligentes. Donc ça va être par exemple la transcription de la voix vers du texte, typiquement. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut que faire avec du machine learning, donc puisqu'on doit entraîner la machine à reconnaître une voix et à le retranscrire en texte. Donc c'est un modèle très précis pour faire du machine learning. Et donc on a des modèles de machine learning pour faire à peu près tout, pour faire Google Maps par exemple, pour se diriger, c'est très certainement du machine learning derrière. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, et notamment on commence à parler de plus en plus d'intelligence artificielle directement, plutôt que de machine learning. C'est un peu une étape suivante dans la technique. Donc ce sont deux domaines qui sont, c'est un peu le machine learning est un peu le père, et l'IA aujourd'hui qu'on la connaît, c'est un peu du coup le fils et la descendance. Donc c'est ça, c'est des façons de programmer qui font appel énormément aux mathématiques, aux statistiques, donc un peu plus du domaine scientifique, on va dire, par rapport à la programmation qui est peut-être un peu plus technique de base. Une fois qu'on a ça, ça nous amène directement au projet. Donc je vais lire la description parce qu'il y a plein de mots que je vais te demander d'expliquer. Parce que développement d'un système de transcription en temps réel, jusque-là ça va. Carte. Qui utilise la reconnaissance des émotions vocales, SER. S-E-R, pour détecter et transcrire les émotions du locuteur. Alors, pour poser le cadre, est-ce que tu peux nous expliquer CART, SER et le lien, la relation? Alors, CART, en fait, c'est pour communication Access Real Time, si je me rappelle bien. C'est en fait un logiciel en général qu'on utilise sur les ordinateurs, un logiciel tiers, qui va servir en fait à capter la voix de quelqu'un et à le retranscrire au système de visioconférence. Donc les systèmes de visioconférence comme Teams ou Zoom font ça nativement, mais en fait il existe des logiciels qui sont un peu spécialisés. Si par exemple on est dans un domaine très technique avec des mots qui sont en général très propres au métier, on peut penser à la pétrochimie, à l'aérospatiale, ce genre de choses, ces mots vont pas forcément être reconnus par le système de transcription qui est très généraliste, et donc on va avoir des gens spécialisés qui vont développer ces systèmes de transcription, et donc ces systèmes, on appelle ça des cartes. Ensuite, le deuxième terme, en effet, c'est le SER, pour Speech Emotion Recognition. La plupart des gens, ils commencent à connaître ce qu'on appelle le STT, qui est le Speech to Text, qui est le plus répandu. Et donc le Speech Emotion Recognition, c'est un peu l'équivalent du speech to text, mais pas pour reconnaître des mots, pour reconnaître tout simplement des émotions quand on parle. Donc là par exemple, on est en train de parler. Là par exemple, on est en train de parler, on a eu un ton plutôt neutre, on va dire, peut-être jovial à la limite, mais on peut, enfin quand on parle en dehors des réunions très
très professionnel, très corporate, on peut en effet avoir, on peut crier, on peut pleurer, on peut rire. Et donc tout ça, c'est des intonations de notre voix, c'est des choses qui ne vont pas pouvoir être traduites par les systèmes de transcription de Teams ou de Zoom par défaut. Et donc pour nous, c'est un manque. En fait, on s'est rendu compte que tiens, il manquait ça. On peut le voir quand on est passé par exemple au SMS, on a commencé à écrire des messages, puis on a commencé à ajouter des smileys, et puis maintenant on a énormément de smileys, ils font partie vraiment de notre vie, de notre écriture. Vous allez sur un blog et il y a des smileys. Mais pour la transcription, eh ben en fait, jamais vous n'aurez une transcription avec des smileys. Vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux des shorts parfois où des smileys apparaissent sur des vidéos très courtes, mais en général c'est des smileys plus pour rendre votre vidéo dynamique. C'est pas vraiment des smileys contextuels de votre émotion. Donc c'est quelque chose, voilà, qui aujourd'hui actuellement n'est pas vraiment fait. Et en fait, il y a question qu'on s'est posée, c'est pourquoi c'est pas fait et est-ce qu'on pourrait le faire. Et c'est du coup, il y a réponse que mon projet a essayé d'apporter. Et c'est là qui est, tu le disais tout à l'heure, à la base, t'es pas un expert du machine learning. Donc tu t'intéresses au machine learning, et spécifiquement sur ce sujet-là, il y avait probablement plein de choses possibles, parce que le machine learning, l'IA, tous ces sujets-là, il y a des déclinaisons énormes. Pourquoi t'intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui t'a fait observer qu'il y avait un manque? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené dans cette zone? En fait, c'est quelque chose de très concret. J'ai eu un meeting professionnel avec quelqu'un, avec une ingénieure qui était appareillée. Et au début, je ne savais pas, au début de la discussion. Appareillée. Appareillée, c'est donc quelqu'un qui a un appareil auditif parce que elle peut du coup avoir du mal à entendre ou être complètement sourde. Cet ingénieur donc soit pouvait utiliser un appareil, soit utiliser en fait la transcription de nos meetings Teams en temps réel du coup pour pouvoir communiquer. Et je me suis rendu compte en fait que parfois j'utilisais mon intonation notamment pour poser des questions ou pour faire des remarques qui permettaient d'égayer un peu notre conversation pour éviter que ça soit trop technique. Et en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr, sur la transcription, on ne voit pas l'intonation. Si je pose une question, on a des phrases en français du type « ça va ?»« Ça va ?» On sait bien que la première, je pose une question, la deuxième, je réponds. Mais si on n'a pas d'intonation, si on n'a pas d'émotion, on est impossible, c'est impossible de savoir à écrit il y a quelle est la question, il y a quelle est la réponse. Et donc, de là, je me suis dit « Ah oui, pourquoi on ne fait pas ça en fait ?» Ça me semblait tellement presque éventuellement facile à faire. Je me suis dit, on arrive à traduire en temps réel des textes, tous les termes. Pourquoi on n'a pas un smiley quand on se pose une question qui pourrait aider quelqu'un qui ne se base que sur la transcription à savoir que là, actuellement, j'ai posé une question, ou savoir si j'ai rigolé, ou savoir ce genre de choses. Donc, c'est de là que c'est parti en fait, d'une expérience personnelle et professionnelle. Et je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'existe pas. Et on avait l'occasion de faire un hackathon en interne. Et donc je me suis dit, très bien, c'est le moment de voir si on peut pousser, si on peut améliorer nos outils de visioconférence et la transcription pour essayer en fait, de rendre la chose un peu plus humaine, en fait, tout simplement. Je pense à, moi, ça me fait penser au système de vélo Tipeee là, qu'on a sur, sur Mixit. Je ne sais pas si tu as vu le système de vélo Tipeee qui est en place sur... Sur Mixit, il y a un système de transcription. Oui, absolument. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être un cas d'usage concret, c'est-à-dire donc pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, système de vélo Tipeee, il y a un écran, une conférencière, il y a un écran à côté une personne qui saisit, qui fait la transcription texte en direct. Absolument. J'ai passé mon temps en effet à regarder cette transcription parce que forcément maintenant à chaque fois que je vois de la transcription, je m'intéresse à comment elle est faite, s'il y a des erreurs, s'il y a vitesse pour essayer de savoir justement, essayer de deviner
comment le système est fait, donc faire un peu de rétro-engineering sur ce que je vois. Et en effet, on voit que c'est des textes, alors il ne manque aucune information, donc c'est a priori le plus important, c'est très bien, mais c'est vrai que si on reprend le texte tel quel, c'est du texte brut, où on peut éventuellement manquer des informations. Alors c'est vrai que sur des conférences, en général, le ton est plutôt neutre, mais sur des conférences, on a aussi parfois des gens qui font un peu le show, éventuellement, qui font des blagues, qui peut-être veulent interpréter quelque chose, et éventuellement, c'est une information, en effet, qu'on pourrait perdre au niveau de la transcription. Donc on l'aurait toujours en live, éventuellement, parce qu'on voit la personne. Mais il faut savoir que quand on fait des visioconférences, la plupart du temps, on a la cam éteinte. Pour plein de raisons. Voilà, pour des raisons tout à fait valides. Et donc, voilà, c'est éventuellement, en effet, un domaine où l'ajout de ce maillet pourrait au moins rendre le texte peut-être plus convivial et retranscrire un peu l'émotion du speaker. Hmm. Est-ce qu'on est sur des usages qui sont réservés du coup aux personnes malentendantes ou non-entendantes, ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives que... C'était en effet le sujet de base, c'était ça, mais en fait on s'est rendu compte que ça pouvait aussi dépendre de la culture des personnes, éventuellement, c'est-à-dire que être énervé dans l'intonation, ça va être différent selon déjà la langue naturelle à laquelle on parle. On peut prendre un exemple peut-être un peu caricatural, mais si on prend la langue allemande, par exemple, on a très souvent l'impression que l'allemand est peut-être un peu plus autoritaire. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, on dresse les chiens en allemand parce qu'on pense que c'est plus autoritaire pour eux. Et donc, on pourrait imaginer qu'un allemand qui parle mais dans une autre langue va peut-être avoir ce ton un peu autoritaire alors que pas du tout. Donc en fait il peut y avoir des incompréhensions entre cultures, et là on n'est que au niveau de l'Europe, mais on peut imaginer au niveau de l'Asie ou de l'Amérique du Sud où ça peut être totalement différent. Et puis il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément en capacité de lire les émotions des autres. On peut penser à tous ceux qui sont un peu sur le spectre autistique ou qui sont un peu neurodivergents. Ils peuvent en effet parfois avoir du mal à capter par exemple une ironie, tout simplement, parce que l'intonation, c'est vraiment dans la communication, c'est très important, et on sait qu'en général ces personnes peuvent par exemple avoir des difficultés à communiquer parce qu'elles ne comprennent pas le non-verbal ou le second degré. Voilà, alors une intelligence artificielle, je ne sais pas si elle pourrait peut-être comprendre le second degré non plus, hein. Pas encore, mais voilà, il y a en effet des cas, ça peut s'ouvrir à d'autres cas. Et en fait, ce qu'on voit souvent quand on essaye de rendre quelque chose accessible, c'est que d'abord on le fait pour des personnes qui ont un vrai besoin, et en fait après on se rend compte que ça va servir à d'autres gens, même qui n'avaient pas forcément de problème à la base. On va rentrer dans la partie un peu plus technique de la solution. Ouvrons la boîte. Ouvrons la boîte. Le capot. Comment ça démarre? Tu découvres, tu parlais tout à l'heure de cartes, de serres. Tu as une intention et tu découvres une technologie et tu viens justement toi aussi ouvrir le capot, c'est-à-dire voir comment ça marche. C'est ça. Et finalement, qu'est-ce que tu trouves? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu trouves? En fait, ce que j'ai commencé à trouver, c'est d'abord énormément de ressources universitaires. Parce que du coup, une fois que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était du speech emotion recognition, donc j'ai tapé ça sur Internet, et donc j'ai trouvé énormément soit de GitHub d'étudiants qui tentaient de le faire, soit de papiers universitaires qui expliquaient, voilà, ce modèle de machine learning permet de détecter en général ces quatre émotions qu'on arrive à détecter, du neutre, du triste, du énervé et du joyeux. J'ai découvert du coup les datasets qui sont le plus utilisés dans ce domaine. Ce que j'ai découvert surtout, c'est qu'en effet, à part quelques entreprises peut-être spécialisées qui vendent justement ces logiciels de cartes pour certains domaines, à part des étudiants et des chercheurs qui s'intéressaient au domaine, il n'y avait pas grand chose. Donc il y avait du matériel universitaire qu'on pouvait essayer de réutiliser, qui avait quand même quelques années. Le premier repository GitHub que j'ai réutilisé datait de 2017,
Donc ça commençait déjà à faire quelques années. Et grosso modo, c'est toujours un peu les mêmes techniques et les mêmes modèles qui revenaient. Donc depuis 2017, il n'y avait pas eu de grands changements. Et surtout, en effet, il n'y avait pas eu d'utilisation vraiment pratique. C'est-à-dire que on s'intéressait surtout en fait à la performance de nos modèles. Est-ce que on arrive bien à prévoir une émotion par rapport au dataset qu'on a? Si oui, très bien, ton modèle est plus performant que l'ancien modèle, mais voilà, c'est tout. Et moi, en effet, vu que je suis quelqu'un de curieux et qui essaye de faire des choses avec ce qui existe, je me suis dit, ok, très bien, prenons ce modèle et essayons de faire une application réelle avec, voir ce que ça donne. Du coup, j'ai déjà oublié le début de la question. C'était marrant, enfin, vraiment, c'était ce que tu lis. Hein. C'était, t'es en train de répondre, comment tu arrives là-dedans et qu'est-ce que tu trouves ensuite. C'est-à-dire que ça fonctionne, là, tu dis qu'il y a des chercheurs donc, qui travaillent sur, sur cette utilisation, tu vois pas de cas pratique, mais finalement, il y a quoi sous ce cerf? Voilà, donc on a des modèles et des datasets qui fonctionnent du coup assez bien pour faire, pour comparer deux modèles entre eux, mais par exemple, on n'a rien qui est suffisamment performant ou qui est suffisamment entraîné pour imaginer un jour mettre quelque chose en production. Parce que ça fonctionne très bien sur les voies du dataset. Ça peut fonctionner sur quelques voies en dehors du dataset, mais on se rend très vite compte que en fait, nos modèles sont peut-être bons, mais on n'a juste pas assez de données pour entraîner nos modèles et pour avoir une utilisation assez générale. Et la chance que j'ai eue, en fait, quand j'ai formé mon équipe de hackathon, j'ai eu quelqu'un qui a travaillé justement sur la reconnaissance d'émotions par la voix, sur des segments audio de 3 secondes, donc assez courts, mais ça nous a justement permis d'utiliser les compétences qu'elle avait, ce que moi j'avais compris, du coup, pour essayer de diriger les travaux, parce que forcément, vu que je ne suis pas data scientist, je peux intégrer des solutions entre elles, mais je ne peux pas modifier des modèles ou faire ce genre de choses. Donc, j'ai collaboré avec quelqu'un qui avait plus d'expérience dans ce domaine pour réaliser en fait un proof of concept, disant que voilà, on peut en effet enrichir la transcription des visioconférences avec des smileys, c'était vraiment notre but. Mais malheureusement, on va dire, ce qu'on découvre, ça s'arrête là. Maintenant, le reste, c'est surtout des choses à construire. Éventuellement, ce qu'on découvre, c'est que l'intelligence artificielle, du coup, a énormément évolué ces derniers temps, avec notamment les modèles GPT, qui maintenant arrivent à gérer aussi de l'audio. Donc, on peut espérer pour le futur avoir des modèles encore plus performants, mais on restera toujours avec un problème qui est, on n'a pas assez de données forcément pour entraîner nos modèles et faire autre chose qu'un proof of concept pour le moment. Donc le smiley en direct, c'est pas pour tout de suite si... Dans un environnement très contrôlé, on va dire, si. puisque j'ai pu faire une démo, en effet, d'un meeting où donc la transcription est faite et on a donc un score de réussite qui est plutôt correct, donc c'est à dire que en effet on est sur entre 60 et 70% de bonnes émotions détectées, donc on a presque toutes les briques technologiques pour le faire. Le vrai enjeu qui nous manque, en effet, c'est comment faire ça à grande échelle pour tout le monde, c'est à dire donc si moi je veux faire mon propre système où je vais parler et il va détecter mon émotion, je pourrais avoir un score assez haut. Par contre, si je veux faire pour quelqu'un d'autre, je ne serais pas en capacité de le faire là tout de suite. Parce que là, il est connecté à ton modèle à toi, parce ta que, fréquence. Comment ça marche? Tu pourrais peut-être nous expliquer comment ça marche exactement? Est-ce que ça s'appuie sur les fréquences sonores? C'est ça. En fait, c'est un peu similaire justement au speech-to-text. C'est-à-dire que le principe, c'est on a de l'audio et on le transforme en forme d'onde, en image d'onde. Et donc, cette image d'onde, les modèles de machine learning vont savoir que si ça fait cette forme, c'est un yes. Si ça fait cette forme, c'est peut-être un no, ce genre de choses. Donc on réutilise le même principe, on prend ma voix, on la transforme en vague d'ondes
Et on va appliquer le modèle pour essayer de détecter les points qui correspondent en effet à l'émotion. Donc on peut penser par exemple que quand on est énervé, forcément notre voix sera beaucoup plus haute. Quand on est joyeux, peut-être elle sera beaucoup plus aiguë. Quand on est triste, il y aura quelque chose de peut-être beaucoup plus saccadé au niveau de la voix. Et au contraire, quand on est plutôt de façon neutre, ben en fait, c'est juste un calme plat. Et donc, les modèles vont réussir à reconnaître ces schémas, en fait, et dire, ok, très bien, eh bien là, je ne sais pas ce qui a été dit, parce que ce n'est pas le but du modèle. Par contre, je sais que ce qui a été dit avec une certaine émotion. On va aller vers la fin de cette interview, parce que c'est passionnant, mais mine de rien, le temps ça passe. C'est fou, ouais, je me souviens à chaque fois. Quelles sont les prochaines étapes du coup pour votre projet? Parce qu'en tant que y a dans un environnement contrôlé, mm-hmm. ça fonctionne. Qu'est-ce que vous êtes donné comme prochaine étape? Alors, ce qu'on cherche à faire principalement, c'est montrer que c'est possible et que ça peut être intéressant pour donc le proof of concept, démontrer que ouais, c'est possible et que ça peut apporter quelque chose. Parce qu'on sait que on va pas le révolutionner, parce qu'on ne va pas avoir magiquement des gigas et des gigas de données d'émotions pour entraîner des modèles. Par contre, on essaye juste en fait de mettre notre pierre à l'édifice et de montrer, voilà, donc on a des universitaires qui ont fait des modèles de détection. On a du coup des gens qui ne sont pas des universitaires mais qui sont un peu des bidouilleurs, qui ont réussi à faire une application concrète avec ça. Les prochaines étapes, c'est et continuer en fait à explorer comment on peut améliorer ça, donc peut-être en utilisant d'autres techniques en plus de la voix, peut-être utiliser plus essayer d'avoir le contexte de la conversation qui peut aussi énormément aider, savoir si on est en colère ou pas. Donc mixer un peu les différentes approches pour essayer d'avoir le plus possible la bonne émotion. Et puis en fait c'est un peu donner des vocations, ou en tout cas montrer aux gens qui ont fait leur travail, qui ont fait ce travail, qu'on peut s'en servir. Donc ils peuvent déjà forcément continuer éventuellement à participer à cette recherche, parce que c'est nous les bidouilleurs, on fait rien sans ceux qui font voilà. Vraiment c'est à eux, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est eux qui ont fait ce travail qui permet que Speech Emotion Recognition fonctionne. Nous on essaye surtout de le mettre en lumière, donc c'est pour ça qu'on le fait via des hackathons, parce que du coup ça nous permet de présenter à des gens. On en parle en effet en conférence parce que c'est un sujet qui est éventuellement méconnu, et ça peut permettre du coup en effet à d'autres de se dire, ah tiens, je vais aussi m'intéresser à ce sujet, peut-être le porter plus loin, peut-être le faire différemment. Parce que nous, notre objectif vraiment, c'est qu'on finisse par avoir des smileys dans Teams. Voilà. Moi je veux un Teams avec des smileys, je veux de la couleur, je veux voilà. Donc c'est ça notre objectif en fait. Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, s'ils veulent accéder au projet, est-ce que tu as un site Oui. Alors, on a mis tout le code sur GitHub. Il est, je crois, encore privé, mais on peut l'ouvrir. C'est juste, il était privé le temps que on travaille dessus. Je suis en train justement de décomposer en fait toutes les étapes de création de ce projet sous forme d'articles de blog qui sont en général assez courts, mais qui expliquent le pourquoi et le comment. Donc si vous n'êtes pas technique, vous avez quand même des parties de blog qui peuvent vous intéresser. Si vous êtes technique, vous avez aussi des parties de blog qui vont vous intéresser. Donc tout simplement en me suivant sur les réseaux sociaux principalement, vous pouvez trouver les articles que je poste et le code, ou tout simplement me contacter, et je réponds volontiers à n'importe qui sur Twitter, sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Lucas Girardin. @picpiki, donc Lucas Girardin sur LinkedIn, ça sera plus simple à trouver. Très bien. Merci beaucoup, Lucas. Merci infiniment. Cette discussion, c'était très chouette. J'ai adoré aussi. Et on a hâte, on va suivre les aventures dans les billets de blog. Absolument, peut-être dans une conférence un jour. Elle aussi. Merci beaucoup. Merci à Lucas. Vous.